Allez, bonjour chers abonnés YouTube. Aujourd'hui, vidéo sur mon mode carrière manager avec le Royal Sporting Club d'Anderlecht. Nous sommes déjà donc à l'épisode 2, épisode 2, épisode 22, épisode 22 de cette saison 1. Et nous allons assister à un match de Coupe de Belgique. Mais tout d'abord, on va entraîner les joueurs. Alors, Mariano, non, il n'y a pas besoin. On va faire le jeune ici, le Fever. On va lui mettre moyen. Moi, je simule toujours. Hein. Les ailiers. On va faire. Ah ben, les jeunes aussi. On va faire Peters. Moyen aussi. Les milieux. Alors. Le jeune Van Rodenberg. Moyen. Alors, ici. On va faire entraîner mais Sandler, non c'est pas Sandler, non Lucassen, non plus, bah, ça va être compagnie, encore besoin de lui, on va le faire un petit peu s'entraîner, et alors ici ce sera Sardella, oui, voilà, ouh un A pour Peters, un B pour compagnie et un A pour Sardella, magnifique les amis. Alors, Mbokani, qu'est-ce qu'il demande? Voilà, je vais lui dire qu'il y a toujours sa place dans l'équipe. Normalement, je vais le faire rentrer dans ce match de Coupe de Belgique. Alors, il est parti contre Courtrai, donc. Premier tour. Rof, qu'est-ce qu'il me demande? Bonjour. Attends, j'étais plutôt en bonne forme. On va lui répondre tout de suite. J'y changerai. Je peux pas répondre, RSE. Je suis en. Allez, c'est parti. Jouer match. Alors. J'arrive, excusez-moi, j'arrive. Voilà, je suis de retour, les amis. On va laisser Courtrai en blanc. Alors, on va mettre. Là, on va mettre qui? Ouh là là, il y a beaucoup de blessés. On va mettre Adjic pourtant. Chadli va être remplacé par Mbokani. Qui c'est qui m'avait demandé aussi pour. Ah ouais, Rof. Rof, il est où, Rof? Il y a Chadli, Van Hollenberg, Caseta. Il est là, Rof. Maintenant, on va mettre Rof et on va mettre Mbokani à la place de Mariano. Il est où Mbokani? Ah, il est là. Alors, on va. Il y en a beaucoup qui sont fatigués. On va mettre le jeune Van der Renberg à la place de Kana parce que Kana est blessé. Lucassen. Oh, oh, oh. Eh ben, beaucoup de joueurs fatigués. Beaucoup de joueurs fatigués. Bon, on va laisser comme ça. Alors, on est parti pour ce match de Coupe de Belgique, épisode 22, saison 1. C'est parti.
Donc en direct pour près, donc premier tour, j'espère qu'on va passer tous les Belgiques. Hein. En plus qu'il y a beaucoup de fatigués dans l'équipe. Yeah, thanks, Derek. Really getting to the pointed end of this tournament now. Only 16 teams left. Who's going to hold their nerve? Looking forward to this one. It should be an absolute belter. Ouh là là, si on gagne, on joue contre le vainqueur de Eupen, club de Bruges. Hein? Always difficult to predict in advance who might decide a game, but you could make a strong case for this man. Lee, what are you anticipating seeing from him? Well, how do you stop him? Four goals in three games. I suggest the defenders, not just one of them, twos and threes might be the case. Allez, Valérie, qui est concentrée. La coach. Elle dit, si on ne réussit pas en championnat, pourquoi pas la Coupe de Belgique. Voilà, la poignée de main entre les arbitres et les deux équipes. Et voici la composition d'Anderlecht fait par Valérie Caz pour ce match, le premier tour de cette Croquis Cup, donc la Coupe de Belgique. Et la composition de Yves Van der Haak, un ancien d'Anderlecht, l'entraîneur donc de Courtrai. C'est sa composition. Joue la défense Courtrai. On a peut-être peur d'Anderlecht. Elle va miser sur la Coupe de Belgique pour jouer une Coupe d'Europe. Adic. Hop. Verskaren. Servez là. Verskaren. And they continue to advance. A lot of options here. Et peut-être le but. Oui. Oh, le tir de Roff déjà. Et arrêt du gardien de Courtrai. Premier corner de la rencontre en faveur des Anderlechtois. Voilà, Valérie pas contente. Il y a cru. Il y a cru à l'ouverture du score. Salemakers au corner. Oh là là, oh, il y a un dégagement catastrophe, attention à la contre-attaque là. Bien joué à Djic. Bien défendu. Sandler. Kobo. Vlap. À nouveau pour Kobo. Vlap. MB. Vlap. Oh, dommage! Trop sûr de nous, là. C'est but. Eh oui. C'est but. Une seule occasion pour Courtrai. Et c'est but. Ah! Il y a intérêt à faire un petit peu défensif, parce que... Là, on s'est laissé surprendre comme des bleus. Top marks, finishing at his best, lovely through ball as well, the timing was perfect, excellent finish. Oh, la défense n'est pas bonne. Well, let's take another look at that goal, shall we? Ou entre les jambes de Van Kambrug. Well, it can be difficult being a manager at times, none more so than now. Il encourage tout de même son équipe et c'est Mboyo qui ouvre le score pour eux, les Courtraisiens. Voilà, on va faire circuler le ballon. Adjic. Allez, Adjic. Company qui va changer d'aile de l'autre côté pour Sardella. Verskaren. Sardella. Oh, Roff qui essaie de repasser à KMB, mais c'est un corner pour Anderlecht. 11 minutes de jeu et 0-1 donc pour Courtrai dans ce premier tour de Coupe de Belgique. Là.
Avic. Company. Oh, oh! Je sais pas qui c'est qui a tiré ça, mais c'est un superbe tir. Et encore un arrêt du gardien de court près. Je pense même que c'est Michel Vlap, je pense, qui a tiré. Allez, nouveau corner pour Anderlecht. Ah, Vlap était bien placé là. Oh, ici il a bien sorti le Van Kampen. Ah, il y avait hors-jeu, je pense. Oui, il y avait hors-jeu. Mais Van Kampen était très bien sorti. Le gardien d'Anderlecht. Company. Kobo. Michel Flapp. Michel Vlap en direction de Hadzic. Vlap. Le tir. Ah, le tir de Ross. En place sur le gardien. Vlap. Verskeren. Selmakers. Le petit crochet. Le place sur Verskeren. Oh, il y a les tirés en plus. KMB. Hadzic, et la tête de Roff. Roff qui égalise. La tête de Roff. On revoit la tête de Roff. Magnifique but. Et Valérie contente. Récupération de Roff. Il laisse l'avantage. Oh, ouf. Allez. Ouf. Pourquoi qu'il revient pas à la faute? Allez. Vlap. Hadzic. Roff, il laisse l'avantage à nouveau. Oh, Michel Vlap. Hadzic. Ah non, complètement raté. Van der Bruggen. And that's an important intervention. Bien joué ça. Hadzic. Michel Vlap. Verscharen. Verscharen. Sitting deep now. That could be problematic. Gardez-la. Passing it around, looking for the goal. Oh, allez. Trop de challenge. Stojanovic. He's got space. Well, let's see about the cross. A cross there that was decidedly ordinary. Well, just couldn't keep the ball. Oula. Oh, mais il a encore. Et but. They simply cannot stop him. And no wonder he's enjoying himself.
Oh là 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 là, et il était pour jeu, oh là 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 là. Mais Anderlecht c'est pas ça hein, ici. En championnat déjà on est à la maze. On est 9e je pense, je sais plus. 9e ou 8e, j'en sais rien. Allez voir sur ma chaîne, mais ici, catastrophique, hein, si on perd la Coupe de Belgique. Championnat, on est déjà mal embarqué. Et c'est encore un boyau. Hein. So there we have it. Voilà. 2-1. Déjà content qu'on avait égalisé. Mais... Macaire. Mais quelle vlap qui tente. Ouh, j'ai bien essayé. Ah, gardien le dévie. Super barré. Un corner. Oh, gardien sur qui? Il avait pas faute. Allez, sorti pour Anderlecht. Well, the perfect tackle, really, and now a throw-in. And the cross is very much on. Oh putain, hors jeu. J'aurais dû le voir ça. Oh quel con. Mais quel con que je suis. Oh oui. Au lieu de centrer avec Vlap, je fais la passe. Ah là 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 là. Oh là 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 là, à côté, le tir de Laskaren. Allez, je n'ai pas entendu. One back possession might really be able to trouble them here. Oh. Dessart. Dane. It's with Van der Bruggen. Quick thinking to dispossess his opponent. The electronic board has been held in the air, and we're going to have a minimum of 4 added minutes. Well, when you sit off like this, you invite pressure. Michel Flapp. And the ball with Roof. And putting his body on the line. Patient. He takes oh, KMB. Oh, c'était dévié. It's with Van der Bruggen. The ball with Julien Dessart. Kagelmacher. Oh lolo, non hein. Ouf, bien compagnie. Well, as the attacking side, you might dispute it, but offside by a hair. Yeah, spot on from the linesman, spot on, but it's close. Il va pas rester longtemps sur le terrain. Pongo. La première mi-temps va être finie. Et voilà, première mi-temps terminée pour le moment. C'est 2-1 pour les Courtraisiens dans ce premier tour de cette Coupe de Belgique. Alors on reprend tout de suite la deuxième mi-temps et c'est parti.
as anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Read it magnificently and intercepted. On est là. Allez, sans bilan Kang, à pied frais. Et voilà. Roff qui égalise. De partout. C'est Bilo Kangot qui est très lui. C'est la passe à Roff qui fait le doublé. Well, the manager knows that's plan A sorted, got themselves back into this. Deux-deux. How can they go again? Kemar, Roof. And level again here. This has been quite the roller coaster ride. And they are on the move again. Crossing possibilities. Bien, compagnie. Aware of the threat, solving the problem. And the ball with Roof. Oof. Not much defensive cover there on the flank. Oh, Vlad, va plus vite. On donne ton ballon. Dania. The referee's letting it go as they keep the ball. Delivered into the air. Ouf. Donc comme Bruc est sorti. On a clair. Michel Flapp. Zap. Adjic. Le tir d'Adjic. Oh, oh. Oh là là. Stojanovic qui a été remplacé par Pita. Un Pita. Une Pita, s'il vous plaît. Oula, attention. Il encore. Bien. Corner. On joue comme beau. So the corner played into the box, and a corner there that really lacked guile. Options in the centre. Incisive pass. Ouf, goalkeeper relatively untroubled. Yeah, he's not going to let that one in, Derek. He's given it away. Might be able to set up the chance. Accurate ball. Evan Cambrut. Oh, je crois qu'il avait le relâché. Too close to him, and 30 minutes left for play in this match. It's with Van der Bruggen. Moving into the advanced position. It has to be. Ouf, et encore ce bon combo. To make sure nothing untoward happened. Given away. Adjic. Compagnie de l'autre côté. Pour Sardella. Le Kanga. Sardella. Allez. Salema Kers. À nouveau pour Sardella. Salema Kers. Salema Kers. Le tir. Oh là là. Je sais pas qui c'est qui a tiré de ça, mais c'est un superbe tir. Je me demande si c'est pas KMB. Ah, dommage, voilà. C'est un bien jeu pour les Courtraisiens. The ball with Julien Dessart.
Van der Bruggen. And he's got the pass of his opponent. And moving the ball nicely. Oh! Et but. Tito qui rentre et qui marque. 2-3. Oh, la défense, elle est nulle. Et là, quelle erreur du gardien aussi. Well, here it is. You have to say they've come under a lot of pressure today. Had to do a lot of defending, but it's a well taken goal. Let's have another view of that goal. Oh là là. Well, the manager's showing signs of frustration. They need to improve if they're going to get something out of this game, Derek. But de Carlos Pita. Allez, Mbokani qui va rentrer et qui va remplacer Roff. Looking confident with the ball at his feet. Kimbe. Mbokani. Et tiré Mbokani. Oh, corner. Mais allez, cours après le ballon. Allez, vas-y. Bien, bien son... Hein? Rien du tout, allez. C'est incroyable, ça. Inside the last quarter of an hour. Well, thumped clear. It's with Van der Bruggen. Eric Okanzi. It needs an accurate cross. Excellent ball towards the front post. No spillage from the goalkeeper. Routine. Olé. He's given it straight to the opposition. Et allez, un coup franc imaginaire encore. He's been admonished by the referee. He's now got to walk something of a tightrope. Yeah, he knows exactly where he stands. Look at the referee, how he's told him off there. No yellow card, but certainly knows what the referee's thinking. Dear me, disappointing. Well, as you know, I'm not a goal scorer, but I think I could have done better than that. Well, we're highlighting him for a reason. He's bossing the game and giving the defenders headaches, Lee. Well, he knows where the goal is. He really does. Goals flying in all over the place. He's calm in front of it. Goalie's nightmare. Mbokani. Allez, Kembe. Allez. Mbokani. Oui. Oh. Oui. C'est goal. Sans bilan comme gars. Quel match, les amis. 3-3. Keeper, and he's every right to ask where his defenders are. They were second to react, and he's in the back of the net. Well, let's take another look at that goal, shall we? Yes, a show of emotion, and why not? They're back in this game. Valérie contente. Trois buts partout. Been getting the substitute ready, and now they will make the personnel change.
And level again here. This has been quite the roller coaster ride. Five minutes of the 90 still to go, and the teams cannot be separated. Useful looking position, you've got to say. And Scott for the cross. Allez! Oh, shoot! Well, that was the chance to take the lead, and the manager's frustration is there for all to see. Voilà, Ezekiel qui remplace Mboyo, notre bourreau. Allez! Oh! Oula, la passe. Encore Bruyne qui sort. Oh là, de gardien à gardien. Allez, c'est un bilan Kanga. Bilan Kanga, peut-être le but. Au poteau. Here's Peter. Bien Sandler. Et voilà, c'est des prolongations. Ok, match. Alors, on va tout de suite faire les prolongations. C'est parti. Understandable that fatigue might set in. A strength-sapping night for all concerned as the first period of extra time begins. Ah, elle passe pas. Plenty of running room in the wide position. Delivering it into the box. Bien, Sandler. Half-baked clearance. Là. Le coup. Oui. Well, the home fans are doing their best to try and the players on to get this winner. Will it come? Oui. A chance to whip it in. And thwarting his opponent in the nick of time. Prolongation. Allez, vas-y Doku, t'es frais, trop. Allez, mais putain, ça passe pas. Le centre, allez. Ouf. Come off when you hit it on the volley in that fashion. Yeah, hero to zero. When he struck that, you think, wow, and then all of a sudden you realize where it's gone. Allez, De Waal. Il a remplacé je sais pas qui. Ah, il a remplacé Vlap. Eh ben, je pense que ça va jouer au pénalty si on marque pas ici. Peter. Allez, rattrape-le. Allez. C'est le Makers. Allez. Allez. Vas-y, Doku. Dribble. Passe à Vlap. Quitte. Oh. Dans les bras de Yakubetch.
Bien, Doku. Allez, Doku. Oh, Doku qui centre. Oh, punaise. Les Makers. Doku. Et MB. Et un nouveau gardien. Doku. Et voilà. Premier mi-temps de la prolongation. Et ben. Allez, on reprend tout de suite et on est parti pour la deuxième prolongation. Et si on ne marque pas, ce sera les tirs au but. Ok, une des deux équipes qui marque. Allez, Bocani. Ah! Oh! Ah, but. Ezekiel. Well, just look at this. They all back off him and he takes the advantage. He goes through one, two, three. Oh. In the end, it's a wonderful solo goal. Well, let's go back to the goal that was scored. J'aurais dû faire sortir le gardien dans ses pieds. Et c'est encore un ancien joueur d'Anderlecht. Et il a joué au Standard aussi. Ezekiel. Donc on gars. Allez les gars. Ah, ils sont fatigués. Allez! Allez, le contre. Vas-y, Lokanga. Allez, Lokanga. Bocani, non, contré. Oh là là là. Oh. Attention, le contre. Ouh. Oh. C'est fini. Carte jaune pour Kylian Sardella. No, it's absolutely spot on. Keep the game going as long as you can, but then you can always go back and book him after the ball's gone out of play. Good refereeing. Oh. Not a good pass. And the cross is very much on. Allez, la dernière attaque. Well, the atmosphere is electric. The crowd are really trying to urge the players on. Use that energy as a player. And they'll regard that as a very disappointing end to the move. And Salamakos has it. And Bocani. Bocani. Hey, Bocani. Oh là là. Oh la raideur, on ne peut plus. Oh! Oh! Et voilà. Et bien, c'était un beau match, les amis.
3-4 Anderlecht éliminé de cette Coupe de Belgique. On misait tout là-dessus. Malheureusement. Ah, mais c'était un beau match, hein, de toute façon. On méritait. On a été jusqu'aux prolongations. En plus, les joueurs sont déjà fatigués. Alors, le championnat qui va reprendre. Allez, on va se quitter là-dessus. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ah, non, il y a les interviews. J'avais oublié l'interview de Valérie. Qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus? J'avais oublié l'interview. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. C'est fini pour Anderlecht dans cette compétition croquique. Après cette défaite contre votre adversaire concret, comment expliquez-vous ce résultat? On méritait mieux. J'espère que les joueurs ne sont pas trop déçus. Ils ont bien joué et ils méritaient mieux. Ça, c'est vrai. Roff a réussi à peu près tout ce qu'il a entrepris aujourd'hui, sauf à vous épargner la défaite. Un commentaire. Une bonne performance globale pour Roff. Je tiens à féliciter Roff pour sa performance. Clairement, il s'est illustré, mais malheureusement, collectivement, on n'y était pas. Malheureusement pour votre adversaire contré, parvenu à marquer le but décisif dans les 10 dernières minutes d'un match très serré. Quelle est votre explication? On a manqué de chance. Les gars ont bien joué et on aurait très bien pu gagner. C'est dommage de perdre comme ça. Mais il faut garder la tête haute et penser au prochain match. Un grand merci à vous. Et bien voilà, maintenant on va se quitter là-dessus. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.